Bonjour à tous et bienvenue sur Forever Spotless. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons décorer le hall d'entrée, le coin cuisine et le salon. Je vous rappelle aussi que cette chaîne parle d'organisation, de rangement, de décoration intérieure, de cuisine et bien plus encore. Si vous croyez que vous êtes au bon endroit, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sans plus tarder, on commence. Comme d'habitude, on va commencer par le banc. Alors, comme on vient de terminer avec les fêtes de Noël, je vais juste mettre deux coussins. Sur la console, je mettrai juste ce ginger jar. Comme d'habitude aussi, je vais remettre mes deux livres Chanel et Element of Style. Pour apporter un peu de couleur, je vais déposer ce vase. Et je vais aussi déposer ce collier de perles. Voilà, au milieu, je vais mettre des photos, photos souvenirs. Là, ce sont mes enfants. Mes jumeaux, je suis maman de jumeaux, garçon et fille, et j'ai un autre garçon. Alors, au bas de la console, je vais mettre ces deux boules de décoration. Et voilà ce que ça donne, tout simple. Alors maintenant, je vous emmène dans le coin cuisine. Alors, sur chaque côté des murs, je vais poser un tableau. Voilà, je vais maintenant mettre ce plateau. J'ai aussi décidé de garder le gros vase que j'avais pour Noël. Je vais mettre donc ces deux vases flûtes, plus un pot de fleurs avec des fleurs couleur turquoise. Donc à côté, sur le plateau toujours, je vais mettre ces sous-verres. Passons au salon maintenant. Alors pour cette année, j'ai décidé de ne pas avoir un thème décoration d'hiver neutre. Je ne vais pas mettre des couleurs neutres, mais je vais mettre du noir. Alors j'étais dans un magasin de la place et j'ai remarqué que les tendances étaient au noir. Il y avait beaucoup d'objets de décoration en noir, il y avait beaucoup de coussins en noir, d'accessoires. Et je voyais aussi les gens acheter, donc j'ai décidé d'essayer moi aussi. Voilà, comme d'habitude, je vais décorer donc le canapé, les étagères, la table basse. Alors, pour le livre de Tom Ford, j'ai décidé de le garder sur les étagères. Alors, je trouve que sur la table, ça prend trop de poussière. Ensuite, c'est un livre qui pèse, donc à chaque fois que je nettoie la table, il faut aussi déplacer le livre. En plus, quand je regarde la télé, j'ai toujours une tasse de thé, de l'eau, donc à chaque fois, j'ai peur que ça se renverse. Et en plus, c'est un livre qui coûte cher. Donc, je vais le mettre dans les étagères. Voilà, c'est ce que je disais, c'est un livre qui glisse et qui pèse, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc là, je vais le remettre à sa place et je vais le mettre sur l'étagère. Alors pour la table basse, je vais mettre ce gros bol noir. Il est rempli d'un pot pourri et je vais mettre quelques feuilles de sapin. Alors je repars sur les étagères, je vais déposer ces pots de fleurs de part et d'autre. Je trouvais que c'était un peu triste, alors je vais mettre un peu de couleur sur les étagères.
Alors pour les jeter, je ne vais pas les mettre sur le canapé, je vais juste les mettre dans mon panier. Alors j'ai récupéré aussi ma lanterne que j'avais déjà rangée dans le sous-sol. Et il y a des pancones à l'intérieur, je pense que ça fait aussi hiver, donc je vais placer ça là. Voilà, ma décoration est pratiquement terminée, je vais essayer de tout passer en revue. Voilà les amis, c'était ma décoration pour cet hiver. Je vous laisse regarder le reste de la vidéo. Entre-temps, portez-vous bien et à la semaine prochaine.